Bonjour les Youkou voyageurs, donc c'est Gaël du blog youkouleletravel.com. Donc dans les deux dernières vidéos en fait on a vu donc une introduction à tout ce qui était une gamme pentatonique. Donc on a vraiment aperçu comment donc elle se déroulait sur tout le manche, en fait l'échelle pentatonique, c'est-à-dire donc toutes les cases pour faire les notes de la gamme pentatonique. Sur la deuxième vidéo, on a donc vu comment jouer la gamme pentatonique uniquement sur la première corde, la corde de la au ukulélé la plus aiguë. Donc on va faire une petite répète, tu sais quoi. Alors ça fait 0, 3, 5, 7, 10, 12. Donc on a vu en fait comment... Donc on a vu comment on s'amuse avec ça et ensuite enchaîner deux accords. Donc on avait l'accord majeur de Do et donc un La mineur augmenté en Do si on peut dire. Je sais pas si on peut dire comme ça mais... La mineur où en fait on a deux fois la note Do. Donc dans l'introduction vous avez vu j'ai joué essentiellement sur trois cordes. Donc en fait ce que je veux que vous appreniez aujourd'hui c'est vraiment de se balader. Donc on est toujours sur la gamme majeure de Do et on va la prendre on va dire jusqu'à cette note là. Donc en fait, donc petite parenthèse, dans cet exercice là les cordes on va les nommer de 1 à 4. 1, 2, 3, 4. Donc la 1, ça sera la corde du bas, la corde de la. 2, 3 et 4. Après, je sais que des fois sur YouTube ou sur des blogs, etc., sur des sites internet, en fait, des fois c'est l'inverse. Ils disent la corde 1, c'est celle du haut, etc. Après, bon, voilà, c'est un choix à faire. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de tablatures pour ukulélé qui utilisent. Donc la numéro 1 c'est la corde du bas, donc c'est quand même intéressant d'apprendre dans ce sens là parce qu'il y a beaucoup de tablatures, autant en France que des tablatures américaines, anglo-saxonnes, etc. qui utilisent ça, donc la première corde c'est celle du bas. Donc en fait le fait d'apprendre dans ce sens là, on n'est pas perdu quand on passe aux tablatures. Voilà, tout simplement. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc ce que je veux qu'on apprenne aujourd'hui c'est uniquement ces notes là, donc cette montée et descente, on va faire comme ça. Donc ce que je veux qu'on apprenne aujourd'hui, donc en fait ça va être on va dire les trois premiers ensembles de gamme. Donc en fait c'est exactement ça. Donc j'y vais doucement. Et là on revient en sens inverse. Donc en fait c'est simple, on a des formes, donc là on a les trois cordes à vide, ici on a cette forme là, donc en fait on a cette corde là, enfin cette case là et cette case là, en fait qui sont pincées, donc ça fait tu vois une petite, comme une petite virgule là qui descend. Ensuite on décale cette même forme de deux cases, une, deux, et on retombe sur ces trois, ici, ici et ici, donc là on est sur la cinquième case, il y a une marque, et ensuite... Donc là, tu as vu peut-être, sur donc, la troisième corde, on est passé de la quatrième et on a sauté carrément deux cases pour venir ici. Ici, on a un triangle en fait, un petit triangle, un peu comme la corde sol. En fait, on va venir sur ces trois. Donc pour résumer, on a les trois à vide, ici, ici, ici. Donc on a cette forme un peu en demi-cercle. Ensuite, on décale tout, hop, de deux cases, donc ici, ici et ici. Et ensuite... Les deux duos, en fait, on décale de deux cases, ici que... pardon. Les deux duos, on décale de trois cases. Les deux duos, on décale de trois cases. Ici, trois cases. Ah, il y a le soleil qui revient, ça fait plaisir. Ici, que d'une case. Donc, en fait, on va sur la deuxième marque, ici, là. Et on va ici, ici, ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment essayer de... de monter et descendre cette gamme. On ne va pas descendre plus bas pour ne pas s'en mêler. De toute façon, déjà, quand on maîtrise tout ça, on a un panel de notes qui est vraiment énorme pour improviser. Un peu comme je t'ai montré dans l'intro. Bon, après, des fois, c'est pas arrivé, on fait une fausse note, on tape un peu à côté avec le doigt. Bon, c'est pas grave, hein. Ça arrive à tout le monde. En même temps, on fait de l'impro. On peut aussi sortir du schéma classique hein, pour donner de nouvelles saveurs à la musique qu'on est en train de jouer. Et en fonction de nos émotions. Donc voilà, ce que je veux vraiment que tu apprennes à faire, c'est ça.
Donc en fait là tu vois je fais des mouvements un peu désordonnés parce qu'en fait c'est une partie de l'impro. Tant que tu sais que les trois vides, là, là et puis la forme ici en triangle. Donc vraiment voilà le triangle ici, là, 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 là. Ça, une fois que tu le sais, après voilà tu peux. Après voilà tu t'amuses et puis tu joues. Et puis tu peux faire, par exemple, tu fais une petite mélodie. Après, tu peux faire deux accords, etc. Et tu enchaînes. Et comme ça, ben voilà, là, tu lances vraiment l'impro. Tu commences vraiment à t'amuser, à te libérer. Donc ça, c'est quand tu joues seul. Après, jouer à plusieurs, bon, c'est encore un truc un peu au-dessus. Moi, j'en suis pas non plus encore là, même si je m'amuse avec des potes, qu'on fait des petits bœufs, entre guitare et ukulélé, etc. Mais voilà, je te montre un peu ce que je sais, ce que j'ai appris depuis les 9-10 mois que je me suis mis au ukulélé. Donc voilà, amuse-toi, bosse doucement au début. Donc vas-y, on reprend ensemble, t'es prêt? Voilà, un petit dernier exercice avant de finir la vidéo. Du coup, si t'aimes, oublie pas de mettre un petit pouce bleu là pendant qu'on parle. T'appuies dessus, tu cliques, merci. Et vas-y, on y va ensemble. La corde grave à vide. Tout doucement, tu vois. J'espère que tu vois bien. Là, hop, on saute de trois cases. Là, trois cases aussi. Et là, on va que à la deuxième. Et là, on revient en arrière. Ok. On finit. Ok, tu vois? Merci le soleil d'avoir éclairé l'ukulélé. J'espère qu'on y voit assez bien. Et j'espère qu'il pleuvra plus de la journée aussi. Donc voilà, donc c'était la troisième vidéo sur la série Apprendre l'improvisation au ukulélé. Comme ça, ben, partout où tu vas, même si tu ne connais pas des rythmiques, tu peux t'amuser et profiter. Comme là, par exemple, donc, je fais une rando donc, dans le Dartmoor National Park, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Donc c'est vraiment magnifique. Je te montrerai quelques images là ou peut-être en même temps que je parle. Donc si la vidéo t'a plu, même si elle t'a pas plu, vas-y mets un pouce bleu juste pour le temps que j'y ai passé. Et puis, écoute, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et donc dans la prochaine vidéo, on va voir. Je pense qu'on va faire deux ou trois vidéos. En fait, ça sera des enchaînements d'accords, donc des accords simples qui vont bien ensemble, des accords classiques qu'on a l'habitude d'entendre par exemple dans plein de musiques, voilà, qui sonnent bien l'oreille, des enchaînements d'accords qui sont assez joyeux, et on verra aussi un autre enchaînement d'accords. Voilà, on va faire trois enchaînements d'accords. Pardon. Donc trois enchaînements d'accords et donc le dernier qui a une tonalité plutôt triste, et donc on pourra s'amuser à jouer de différentes façons. Et le tout donc entrecoupé bien sûr d'improvisation, de petites notes comme ça. Donc je te remercie, je te dis à la prochaine vidéo, à très bientôt, bisous, ciao, prends ton ukulélé, voyage, amuse-toi et fais-toi plaisir. Merci d'avoir regardé les vidéos, donc je te dis à très bientôt, voilà je te fais profiter d'un petit panorama de la forêt où je randonne là actuellement. Abonne-toi, mets un pouce bleu et surtout ben, randonne, amuse-toi, prends ton ukulélé dès que tu peux, dès que tu voyages. À très bientôt, à ciao!